cette université, c'est le Rabbi Yahweh. Et j'espère qu'il va constater les progrès qui sont accomplis par mes étudiants et le goût qu'ils commencent à prendre pour les institutions et les relations internationales. Alors, comme nous l'avons vu au début de l'année, il n'est pas possible de faire du droit international ou de comprendre le droit international et les institutions internationales sans connaître un peu les relations internationales. Et si on veut avoir une idée sur la configuration de la société internationale, il est absolument indispensable d'avoir en arrière-fond tous les événements qui ont façonné cette société internationale. Or, comme vous le savez, nous l'avons vu déjà, le monde, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, s'est scindé en deux blocs antagonistes. Le bloc de l'Est, d'obédience communiste, socialiste, marxiste, léniniste, sous la conduite de l'Union soviétique. Et de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait le monde occidental, ou le bloc de l'Ouest, ou le monde libéral, constitué par l'Europe de l'Ouest, par les États-Unis et par le Canada. Et comme nous l'avons vu, à la suite de la guerre, cet antagonisme était un antagonisme idéologique qui a donné naissance à un antagonisme militaire, à un antagonisme économique, à une course sur tous les plans, notamment une course aux armements dont nous avons vu l'ampleur et mesuré le danger. Mais paradoxalement, cela a permis au monde de vivre plus ou moins en paix, d'éviter une Deuxième Guerre mondiale, car il y avait un équilibre. Vous vous rappelez, on en a parlé, l'équilibre de la terreur, qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. C'est que chacune des deux superpuissances, détenait tellement de force d'anéantissement de l'autre qu'aucune n'osait être la première et avoir l'initiative de déclencher un nouveau conflit mondial. Déjà, le deuxième conflit mondial, 39-45, a failli mettre fin à l'humanité, puisque déjà à la fin de la guerre, on avait découvert la bombe atomique et qu'on a déjà essayé la bombe atomique dans deux endroits, à savoir à Hiroshima et Nagasaki, pour avoir raison des Japonais. Alors, l'Allemagne s'est trouvée au centre de ce conflit Est-Ouest. Elle en a été même le détonateur, peut-être. L'Allemagne, vaincue après la Deuxième Guerre mondiale, s'est trouvée occupée par les puissances, comme le dira votre camarade dans quelques instants. Et en Allemagne, s'est focalisée. L'Allemagne est devenue en quelque sorte l'abcès de fixation de ce conflit Est-Ouest. C'est là où les intérêts Est-Ouest se sont confrontés le plus, on le verra dans quelques instants. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de réunir cette réunion sympathique pour débattre de cette question, la chute du mur de Berlin, qui a été le point de rupture d'une première étape de l'histoire du XXe siècle. De 1945 jusqu'à 1990, le monde a vécu dans une atmosphère déterminée, et à partir de 1990, nous sommes passés à une nouvelle ère de ce XXe siècle qui était sur le point de finir et qui a annoncé le nouveau millénaire. C'est ce dont votre camarade, Mademoiselle Asma Salhi, va nous parler aujourd'hui. Donc je vais lui donner la parole, nous allons l'écouter et par la suite nous discuterons ce qu'elle nous dira. Merci. Tout d'abord, je me présente Asma Salhi, étudiante en première année de licence fondamentale en droit privé. Je salue tous les présents dans cette salle et je profite de remercier M. Rafa Ben Achour pour sa présence aujourd'hui, ainsi que Mme Sonia Michichi pour son aide et son soutien. Aussi, M. Heikel Hermedi qui m'a
aidé pour préparer. C'est lui qui, plutôt, qui a préparé ce tableau. Les posters. Les posters, oui. Alors, ainsi que Madame Sonia Mishishi pour son aide et son soutien tout au long de l'élaboration de ce travail qui expose la situation de l'Allemagne qui était avant 1945 une Allemagne réunie en rappelant qu'à l'époque des milliers d'Allemands faisaient quotidiennement la navette entre Berlin-Est et Berlin-Ouest pour leur travail rentrer chez eux tous les soirs. Bien évidemment, personne n'a échappé à l'événement célébré il y a quelques temps, exactement le 9 novembre 2009, et qui a fait que les journaux, la télé et même les magazines, même Femmes Actuelles. C'était une grande fête, tant attendue par les Allemands, le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, qui était célébré avec émotion par pratiquement tous les pays européens et salué par le reste du monde. Le mur de Berlin, nommé mur de la honte par quelqu'un. En effet, le mur de Berlin est l'incarnation d'une séquestration économique pour la région et de l'Allemagne, comme a noté le New York Times en 1963. Le mur a fait perdre à Berlin-Ouest à peu près 600 000 ouvriers très qualifiés qui se rendaient chaque jour de leur domicile est à leur travail de l'Ouest. Revenons à l'histoire de l'Allemagne. Vécue et occupée par les quatre puissances alliées, l'Allemagne va se trouver coupée en deux, avec la guerre froide et donner naissance à deux États, chacun sous un régime à la couleur de ses occupants et au destin fortement contrasté. À l'Ouest, après qu'en 1947, les alliés occidentaux décidèrent de l'organisation économique commune des zones qu'ils contrôlaient et qu'ils réduisirent leur prétention aux réparations de guerre va être instituée en 1949. Sous un régime parlementaire démocratique, la République fédérale allemande ou la RFA, qui comprenait également le Land de Berlin sous protection occidentale des États-Unis, Grande-Bretagne et France. À l'Est, sera créé dans la foulée et pour répondre à l'initiative des Occidentaux, la République démocratique allemande ou RDA, un État centralisé avec pour capitale Est. La RDA, quant à Berlin-Est. La RDA, quant à celle dominée par les Soviétiques qui avaient installé au pouvoir le Parti communiste, s'était vu d'abord littéralement plié en guise de réparation de guerre par l'occupant russe et suivi en outre sans pouvoir bénéficier comme à l'Ouest du plan Marshall. La politique économique du modèle communiste privait les gens, l'industrie lourde sur les biens de consommation, collectivisant l'agriculture, nationalisant les banques et les usines, regroupant les firmes en gigantesques combinats. En débit d'un niveau de développement très inférieur à celui de la RFA et le RDA, va pourtant figurer parmi les pays les plus industrialisés du monde, avec un système socio-culturel communiste obligé d'assistanat par l'État. Mais les difficultés économiques d'un système trop rigide aggravées par la crise économique qui touche les pays capitalistes de 1973 vont considérablement affaiblir le régime pour le discréditer complètement contre le bloc de l'Est vacille en 1989, bien avant que l'Allemagne hitlérienne fût vaincue. Capitulation sont quotidiennement le 8 mai 1945 sont avaient déjà été scellés par les trois grands les États-Unis, l'URSS et Grande-Bretagne. Lorsque le défait de l'Allemagne devint de plus en plus probable, les trois grands, Stalin, Roosevelt et Churchill, se retrouvèrent à nouveau à Yalta, du 4 jusqu'à en février 1945.
ils y adoptèrent le principe d'une partition de l'Allemagne selon un axe est-ouest. Les quatre années suivies, l'organisation fut comme une chape de plan pour l'Allemagne. Alors, l'administration du pays fut confiée à une commission de contrôle sous l'autorité du chef d'état-major militaire, des quatre occupants. Chaque pays occupant, en fait surtout la France et la Russie, procéda au démontage des outils de production en signe de réparation des dommages de guerre. Ensuite, la dénazification du peuple allemand fut entreprise et les grands criminels de guerre et les dignitaires du régime nazi furent au procès du Nuremberg du novembre 1945 jusqu'à 1946. La mise en œuvre du plan Marshall. Là, j'expliquais en quoi il consiste le plan Marshall. Porta un nouveau goût aux différents entre occidentaux et soviétiques. Et plus que jamais, l'Allemagne devint le terrain d'affrontement privilégié des deux superpuissances. Alors, on a remarqué que l'Allemagne devint le terrain d'affrontement privilégié des deux superpuissances. Alors, l'année 1948 marqua le tournant décisif par l'URSS refusa de procéder dès le 1er juillet à une réforme monétaire que permette enfin le redressement économique du pays et bien-être de la population qui vivait dans la misère et la famine. Depuis déjà 3 ans, il soupçonnait les Occidentaux de vouloir récréer un État allemand. N'ayant pu se mettre d'accord, les Occidentaux décidèrent alors unilatéralement de créer dans leur zone d'occupation une nouvelle monnaie, le Deutschmark. Malgré les protestations soviétiques, en fait, la séparation de l'Allemagne en deux territoires, distingués de par leur système économique, monétaire et administré à... administré à présent par des représentations politiques divisées en antagonistes ne pouvait que conduire dans un climat d'affrontement idéologique croissant à la création en 1949 de deux États allemands sur le même sol. Le 23 mai 1949, la fusion des trois ex-zones d'occupation anglaise, américaine et française. La République fédérale d'Allemagne, le RFA, qui vient de se doter d'une loi fondamentale et à reconstruire entièrement. Et dès 1950, la RFA participe à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est le CECA. Et de ce fait, obtient la levée du statut provisoire de la Rouge, c'est une région dans l'Allemagne. Il est reconnu par le charbon, c'est pour ça qu'il a participé à la Ruhr. Alors, de 1952 jusqu'à 1954, profitant de la tension Est-Ouest de la guerre froide, il arrache aux alliés des concessions favorables, la RFA récupère petit à petit sa pleine souveraineté. Et malgré l'échec du projet de communauté européenne de défense CED, entre l'OTAN en octobre 1954. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les autorités de la République démocratique allemande, le RDA, érigèrent une enceinte fortifiée sur la ligne qui sépare à Berlin leur zone sous occupation soviétique des zones sous occupation américaine, anglaise et française. Des policiers et des ouvriers séparent à la hâte les accès aux routières entre la zone d'occupation soviétique, aussi appelée Berlin-Est, et les autres appelées Berlin-Ouest. Ils tentent de barbeler, creusent des fossés et entament la construction d'un mur en béton. Dans le même temps, les liaisons ferrées sont aussi coupées. Dans les jours et les semaines,
dans les jours et les semaines qui suivent la stupéfaction du monde occidental, les autorités est-allemandes parachèvent le travail murant les fenêtres et les portes des constructions situées sur la ligne de démarcation des médias de l'Ouest.